Wesh les petits sous-trash, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vois qu'en ce moment vous êtes chaud sur la série des Mignons. Et franchement les potes, ça me fait vraiment plaisir. Du coup aujourd'hui nous allons regarder un autre épisode des Mignons. Mais cette fois-ci, nous allons essayer de savoir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur des Mignons. Restez jusqu'à la fin, un maximum de likes et abonnez-vous aussi, c'est totalement gratuit. Franchement les potes, si ce genre de vidéo vous plaît, montrez-le moi en mettant un tout petit like, ça vous prend une seconde. Et moi je vous souhaite un bon visionnage. Ok, c'est parti les amis, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon là on a les Mignons qui sont en train de dormir a priori. Ah, nous on est là, regardez, on dort. Ah, on s'est réveillé. Alors, on a un calcul, dites-moi qu'est-ce que ça fait ça? 13 plus 11. Ceux qui trouveront bon à ce calcul, je leur mettrai un like. Du coup voilà, dites-moi dans les commentaires, ça fait combien? Du coup, tous les Mignons se sont réveillés. Il y a les parents devant nous. Coucou tout le monde! Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Oh! Merci pour l'argent, papa! Papa Mignon, ok, nickel. Du coup. Non! Oh! Oh! Il a. What? Il a mangé les diamants. Et là il y a l'ambulance qui arrive. Mais c'est n'importe quoi. Ok, du coup l'ambulance arrive. Eh, monsieur l'ambulance, venez, il a mangé des diamants. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Ok, bon les potes, c'est une totale découverte. Je découvre la vidéo en même temps que vous, hein. Bon, ok, oula. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Alors, je sais... Ah, c'est le prix! C'est le prix! Ok, bon, bah, faut payer cher. Hein. Ok. Ok, bon. Ok. Les Mignons sont partis. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va aller dans la maison d'à côté. Dans la maison d'à côté. Qu'est-ce qu'on va voir dans la maison d'à côté? Eh oh! C'est qui habite là-bas? Oh, c'est le mignon voleur qui nous a sauvés la dernière fois! Coucou, le mignon voleur! Lui, c'est notre pote sûr, lui! Oh. Ok, bon. Il nous a donné une arme. Ok, maintenant. Oh, d'accord. On va essayer. Ok, on tire. C'est un petit test. Nickel, on a eu toutes les cibles. Ok, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec tout ça? Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il essaye de faire avec tout ça, les potes. Oh! Hé! Hey, mais pourquoi il tire sur tout le monde? Oh, il récupère tout l'argent! Oh non, les amis, ne me dis pas qu'il tue. Les amis, je crois bien qu'il est en train de récupérer l'argent de tout le monde, en fait, pour payer la guérison de son ami. Voilà, les frais d'hôpital coûtent cher, les potes, j'ai l'impression. Les frais d'hôpital coûtent cher. Du coup, voilà, il récolte un maximum d'argent. Il a déjà 21$ sur lui. Me dis pas qu'il va aller braquer la banque. Il va braquer la banque. Mais non. Attention. Ok. Il tire sur tout le monde. Ok, bizarre, hein. Ok, nickel, c'est bon. Il les a tous tués. Toi, là, ramène ton argent. Voilà, nickel. Ok, oula. Par contre, là, ouh. Il a tiré sur tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'oseille. Lui, c'est l'argent qu'il veut. C'est l'argent. Ok, il y a le coffre. Oh. Attendez, il a sorti un bazooka. Mais non. Wouah, ça a détruit toute la banque. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va voir qu'est-ce qu'il y a. Wouah. Ok, bon, les potes, on est multimillionnaire. Il y a des tonnes de dollars partout. Regardez tout l'argent qu'il y a. Et là-bas, il y a encore des tonnes de liasses. Ok, bon, maintenant, faut vite se barrer, hein. Faut vite se barrer, maintenant. Yes! Ok, les potes. Franchement, les amis, à l'avenir, les potes, écoutez-moi bien, à l'avenir, je prévois de vous faire des vidéos, mais avec des personnages comme ça, genre des vrais mignons et tout. Si vous êtes chaud, mettez un like et dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Ok, du coup, maintenant, il se retrouve à l'hôpital. Ok, du coup, il a assez d'argent pour payer son ami. Hello, monsieur le médecin, bonjour. J'ai de l'argent, en fait.
J'ai de l'argent et j'aimerais payer les frais d'hôpital. Oh, voilà. Il a l'air content. Il a l'air content. Nickel. Ok. Du coup, il peut aller voir notre ami, on peut aller voir notre ami le mignon qui a mangé des diamants. Alors, où est-il? Oula. Oh! What? Oh! What? Attendez les potes, il y a combien de diamants dans son ventre là? Les amis, il y a trop de diamants dans son ventre! Ah, salut mon ami! Ok, c'est bon, il est de retour! Il est de retour! C'est bon, je pense qu'il a compris la leçon. Il ne va plus manger de diamants. Enfin, je l'espère. Parce que bon, hein, il a mangé des diamants. On a réussi à le guérir. Voilà, on a réussi à le guérir. Du coup, le lendemain, on se réveille. On est chez nous, tranquillement. Oh, il y a une super potion à vendre à un diamant. Est-ce qu'on a du diamant sur nous? Ouais, ouais, ouais. J'arrive tout de suite, je vais te ramener un diamant. On va aller récupérer le diamant. Ok. Oh, on en a 3, ça veut dire qu'on peut avoir 3 potions. Bon, attends, moi j'ai envie de lui prendre 3 potions et... Ou alors une seule. Allez, tiens, je te donne 3 diamants. Ok, 3 diamants, tu me donnes combien de potions? Il m'en donne 1, 2, 3. Ok, parfait, parfait, parfait. Maintenant, pourquoi il se barre? Pourquoi il se barre d'un coup? Bizarre ça. Bon, on va tester les potions sur nous, je suis chaud. On les teste sur qui? On les teste sur qui? Oh, me dis pas qu'il va aller les jeter aux mignons. Oh, Bob l'éponge. Salut Bob. Regardez les potes, il y a Bob. Comment ça va Bob? Tu vas bien? Il va lui donner une potion? Je pense que c'était une mauvaise idée. Oula là là là. Ok, ok, faut courir, faut courir, faut courir. Faut courir les potes. Oula, Bob l'éponge il est devenu méchant. Bob l'éponge il est devenu méchant. Oh, les pyjamas masques! Les pyjamas masques, venez m'aider! Oui! Oui! Ok! Nickel, merci les pyjamas masques! Ah, les potes, eux là, ils sont super sympas! Les pyjamas masques! Merci beaucoup! C'était parfait! Parfait de chez parfait! Du coup, maintenant, oh, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui reste 2 potions! Il lui reste maintenant 2 potions! Par contre, on a bien vu que la potion n'a pas très bien marché avec Bob l'éponge. Hein. Du coup, j'espère qu'il ne va pas utiliser les 2 autres sur les mignons. Je pense bien qu'il va le faire. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ce que ça va donner. Eh ouais, les mignons, vous êtes où? Les mignons. Bon, on va toquer, hein, on va toquer, tranquille. Oh, coucou papa mignon. Comment ça va? Oh, ils sont tous à table. Ils sont tous là, d'accord. Moi, j'ai une potion. Oh, bon, on va manger avec eux. Tiens, on va manger avec eux. Par contre, ils ont des grosses têtes, hein. Ok, nickel. On a mangé la petite banane. C'est parfait. Ah, ils sont trop mignons, les mignons. Bah, en même temps, ils sont mignons. Si j'ai envie de te dire. Bye, have a great time. Bon, bah, au revoir. Ah, bon, on est juste venu pour manger une banane, d'accord. Oh. Non. 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 Me dis pas ça. Me dis pas ça. Oh man. Oups. Oh oh. Oh oh. Là c'est le moment de courir. Là c'est le moment de courir. Faut courir, faut courir. C'est le moment de courir les amis. Ouh. Ouh, il fait peur, il fait peur, il fait peur. Ok les amis, franchement il m'a fait peur. Cet épisode m'a trop plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez que les épisodes soient plus longs la prochaine fois, et bah vous me le dites dans les commentaires. Voilà, vous me dites tout ce que vous voulez. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour vous proposer le meilleur des contenus. Du coup, les potes, n'hésitez pas à me dire toutes vos idées dans les commentaires. Un maximum de likes aussi pour me soutenir, les amis. Et dans les 20 prochaines secondes que vous allez voir, et bah vous verrez mes 2 dernières vidéos. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Si vous kiffez ce genre de vidéos, il y a plein d'autres vidéos disponibles sur ma chaîne. Du coup, n'hésitez pas à aller tous les voir, les potes. Je compte sur vous. Et sur ce, les amis, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Soutrash. Peace. Le concept du Noob versus Pro est assez simple. 3 personnes s'affrontent dans une épreuve de construction. Le principe est simple, faire la meilleure construction dans le thème donné. Mais attention, les joueurs n'ont que 10 minutes pour achever leur création. Une fois le chrono lancé, les joueurs ont l'interdiction de regarder ou d'interagir avec la construction des autres joueurs. Sinon, ils perdent un point sur la note finale.
Une fois le chrono achevé, les trois joueurs seront jugés pour leur création. Chaque joueur recevra une note donnée par Souka. Celui possédant la meilleure note remporte le Noob vs Pro. Que le meilleur gagne.